Bonjour et bienvenue pour votre magazine Dello Resto, votre magazine consacré aux restaurants, à la gastronomie dans la Loire et ses environs. Ce soir, je vous emmène au festival Rouen Table Ouverte. Je vous emmène au restaurant de la Loire, à Pouilly-sous-Charlieu, où nous allons à la rencontre de la gastronomie avec le chef Alain Rousseau et les petites nacelles, artistes, musiciens. Je suis en compagnie des petites nacelles, Sophie et Axel, bonsoir. Bonsoir. En quelques mots, qu'est-ce que c'est les petites nacelles? Les petites nacelles, pardon. Oui, les petites nacelles, bah, c'est un petit duo voilà, qui a maintenant 13 ans. Hein, et vous êtes originaire de Rouen également? Ah oui, on est natif de Rouen, oui. Ouais, ouais. Donc ce soir, c'est un soir particulier puisque c'est le lancement du festival Rouen Table Ouverte. Effectivement, c'est une soirée qui se passe au restaurant de la Loire, à Pouilly-sous-Charlieu. Qu'est-ce que vous avez prévu? Quel est votre répertoire pour ce soir? Alors ça va être notre répertoire habituel, c'est-à-dire les chansons qu'on fait depuis maintenant 13 ans, avec qui on a sorti un album il n'y a pas très très longtemps, donc il y aura pas mal de nouvelles chansons, et puis pour changer un peu, pour les gens qui nous ont déjà vus, et puis aussi pour nous aussi changer un petit peu, on a décidé de faire un set, parce qu'on fait 4 sets ce soir, de faire un set avec des reprises, voilà. Je suis en compagnie du chef Alain Rousseau, qui bien sûr nous accueille ce soir dans ses cuisines. Merci beaucoup Alain. Et je vous en prie. Alors justement, pendant que vous êtes en cuisine, pendant que vous préparez tous ces plats, il y a donc les musiciens, voilà. Donc les petites nacelles, oui. Qui font un accord entre les plats et voilà. Puis la musique. Ils organisent aussi leur spectacle, hein, voilà. Bien sûr, en 4-7, hein, ils nous ont dit tout à l'heure. En 4-7. En 4-7. Voilà. Et puis ils vont faire des interludes entre les amuse-bouches, entre le premier plat, entre la viande. Voilà, ils font des petites interludes comme ça de 15-20 minutes. Et puis fin de spectacle, ils font après le dessert, ils font à peu près une demi-heure. Et alors justement, ce nouvel album, de quoi il parle? Ouh là là, de quoi il parle? Alors ben, un peu de plein de choses. Il y a des chansons d'amour, il y a des chansons on est un petit peu énervé, il y a des chansons rigolotes, voilà, comme la vie, quoi, c'est varié. Et l'intitulé de cet album alors? Même pas mal. Même pas mal. Alors Brigitte, on est dans la soirée des Rouen Table Ouverte avec les petites nacelles, avec le chef en cuisine Alain qui est en train de nous faire de succulents plats. On est à quel moment de la soirée? Eh bien écoute, on vient juste d'avoir le poisson, là tu vois, l'entrée, donc c'était du poisson. Et ensuite maintenant, ils vont avoir la viande et on a un petit interlude musical. Alors comment ça se passe? Comment est l'ambiance dans cette soirée? Bon écoute, moi je trouve que c'est très bien. Bon, tu sais, c'est des soirées qui sont tellement, pour moi, féeriques, puisque je trouve que les gens, tu vois, il y a une osmose. Ils ont vraiment l'impression d'être, tu vois, écoute, il n'y a pas un bruit. On chante, il n'y a pas un bruit. Ça fait plaisir à voir. Après, quand tu arrives avec ton assiette, ils te disent, oh, c'est bon, c'est bon. Alors là, tu vois, tu sens qu'il y a bien les deux côtés. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça se passe bien. Ce soir, on fait l'alliance, justement, de la gastronomie et puis du spectacle. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? La gastronomie et le spectacle. Ah, chacun sa partie, c'est ça. L'alliance de la gastronomie, bien sûr, et du spectacle. Voilà. Sachant que souvent la gastronomie, c'est du spectacle. Ah, tout à voilà. Fait. C'est vraiment le spectacle avec voilà. Vous. Surtout avec nous.